c'est The GNS. Aujourd'hui, j'interview Dylan Technology dans Rencontre entre Youtubers. Salut à toi Dylan, comment vas-tu? Salut à toi, ça va très bien et toi alors? Bah ça va impeccable, en plus aujourd'hui c'est ton interview, c'est incroyable! Non, c'est le... Ah ouais! Ah bah oui, c'est le grand jour, ça y est! D'accord, donc t'étais en mode... Attends, on est quel jour, on fait quoi là? Qu'est-ce que... Oui c'est bien l'interview? Ok, ah bah c'est bon, je suis bon. C'est bon, on est bien mercredi. Donc alors déjà, cette interview commence bien, car ta chaîne traite d'un domaine, mais que j'adore. La technologie, c'est un truc de fou. Eh ben alors, franchement, tant mieux alors. Tant mieux si je peux... Nickel alors. Ouais, ça correspond bien, c'est cool. Donc Dylan Technology apparaît le 23 juillet 2015 sur YouTube avec la première vidéo, donc le 26 juillet 2015, sur les infos techno, une série que tu mènes en premier sur ta chaîne. Alors, j'ai démarré donc en juillet 2015 parce que justement c'était ma passion de l'actualité technologique. J'adore la technologie, tu vois, je suis comme toi du coup. Je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une chaîne YouTube et donner tout ce que je sais, quoi, pouvoir aider les gens en faisant des astuces ou autre, présenter des produits, etc. Et du coup, j'ai débuté ma chaîne avec la première vidéo qui s'appelle donc Infotechno, les notifications sur l'iPhone. Du coup, dans cette vidéo, tu nous apprends plein d'astuces. On constate quand même une nette évolution entre tes premières vidéos et tes anciennes vidéos au niveau de l'entrain, etc. Et comme tu dis, je sais pas, dans la dernière vidéo, tu avais dit que tu improvisais tes vidéos. Est-ce que tu improvisais déjà au départ de ta chaîne? Alors, au départ de ma chaîne, la première vidéo a été entre guillemets, on va dire, improvisée et à moitié préparée aussi. Parce que je me suis dit, je sais pas encore si je suis mieux en improvisation ou si en préparation. Enfin, déjà, je prépare toujours mes vidéos, mais je veux dire si j'écris un texte ou autre. Et du coup, jusqu'à maintenant, je me suis plus senti à l'aise en improvisant, mais bien évidemment en préparant le sujet et en sachant ce que je vais dire à peu près. Voilà. D'accord, ouais, donc franchement, on te sent plus à l'aise devant la caméra, plus à l'aise devant ton public qui s'élargit de plus en plus dans tes dernières vidéos. Effectivement, c'est carrément ça, quoi. Il s'élargit et je suis content parce que du coup, ça plaît à de plus en plus de monde. Et comme j'ai dit, hein, si je peux aider, si je peux divertir les gens avec de l'humour éventuel aussi et tout ça, oui, bah, carrément, quoi. Carrément. Et du coup, je parle souvent aussi de mes expériences. Je vais surtout parler aussi de mes expériences. Je vais pas attaquer des sujets où je n'ai pas eu d'expérience, où je ne connais pas la matière du tout, ce qui est logique. Oui, sinon tu veux, voilà, il y a des choses, peut-être qu'on va faire des erreurs si on ne sait pas à peu près. Effectivement, par exemple ma dernière vidéo sur le jailbreak, elle est tirée de mon expérience justement avec le jailbreak. Bah oui, parce que tu nous avais dit que tu avais jailbreaké ton téléphone, enfin tu nous avais un peu raconté tes mésaventures avec ton iPhone et ça fait... voilà, hein, on reste... Voilà, le jailbreak c'est bien, mais il y a des choses qui sont pas bien et bon, moi j'ai eu des problèmes, pas de chance, hein, mais voilà. Actuellement, j'ai toujours mon iPhone où j'ai des problèmes de batterie. Ça n'a pas changé depuis. Bah, je pense que tu peux changer, non, la batterie, non? Ouais, carrément, mais pour la changer, ça coûte cher et tout ça. Et puis, je pense que, vu que je suis une chaîne de technologie et que j'adore ça, il y a des chances qu'en septembre, j'achète donc le nouvel iPhone 7 qui va sortir. Yeah. Sachant qu'ils annoncent, d'après les mots d'Apple, une rupture technologique. Ouais, hein, on parle beaucoup de disparition du bouton Home et de la prise jack. Effectivement, ce serait maintenant tous en fil, en Bluetooth ou en des trucs comme ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'avoue quand même que ça me fait un peu peur, hein, plus d'avoir de jack, franchement. Je me vois mal avec des AirPods sans fil. Ah, tu te vois mal actuellement, mais c'est normal, ça. Moi, je m'y vois déjà, ça a l'air super, quoi. C'est le futur, quoi, c'est le futur. Après, plus de bouton Home, ce serait peut-être... Il y aurait peut-être un inconvénient à ça de plus le toucher et tout, mais après, je sais pas... On s'habitue après. Ouais, on s'habitue, et même, perso, j'aurais bien fait un iPhone avec l'écran carrément partout, quoi. Enfin, tu vois, tout l'écran, quoi.
Ah ouais. Où il y a toute la vitre, que ça soit que l'écran. Enfin, bien évidemment, où il n'y a pas l'haut-parleur et les caméras faciales, mais pourquoi pas avec un écran incurvé. Ça, ce serait pas mal pour Apple, parce que les concurrents l'ont déjà fait. Ouais, mais pour l'instant, franchement, je pense que... Enfin, il n'y a pas d'autre beaucoup d'utilité à avoir un écran incurvé en ce moment. Donc peut-être qu'ils se disent, attendez, on va trouver une solution, on va trouver une fonctionnalité à cet écran incurvé et puis on l'intégrera plus tard. Eh ben, on verra bien, bon, parce que c'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas eu énormément d'évolution sur les iPhones, j'ai envie de dire. Il n'y en a pas eu énormément, quoi. Il n'y a pas eu des grosses surtout. Ouais. C'est dommage. Mais bon, d'après ce que j'ai vu un article il y a encore quelques jours de ça, apparemment Apple ferait tous les 3 ans un nouvel iPhone avec une rupture technologique. Donc s'il faut attendre 3 ans pour avoir une rupture technologique, c'est un peu long quand même, je trouve. Ah oui, quand même, hein. Mais bon, peut-être que ça vend vraiment le coup, hein. On verra ça en septembre. Exactement. Donc en regardant en grand ta chaîne, hein, on s'aperçoit que tu es plus tourné vers l'univers Apple. Et pourquoi ça? Ah, oui, exactement. Parce que Apple, c'est une marque que j'adore. Comment dire, je suis vraiment fan d'Apple. Je suis un grand addict et donc déjà voilà, parce que je kiffe Apple. C'est ma marque préférée. J'ai que du Apple, enfin presque, malheureusement. Et du coup, voilà, je vais y arriver. Si je parle beaucoup d'Apple sur ma chaîne, c'est parce que en fait, c'est le sujet où je m'y connais beaucoup plus. Je me connais sur d'autres, je connais d'autres sujets, mais Apple, je m'y connais énormément, quoi, beaucoup plus que les autres. Voilà. Ouais, comme ça, t'es à l'aise, tu sais de quoi tu parles au moins. C'est ça. Donc le 28 avril 2016, tu nous sors une vidéo qui sort un peu du cadre de ta chaîne. C'était un vlog. Effectivement, je me suis dit. Pourquoi pas faire aussi des vlogs, ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce concept de vlog. Et pour répondre à ta peut-être prochaine question, pourquoi je fais des vlogs en même temps sur la même chaîne, en fait tout simplement parce que je me suis dit ça sert à rien forcément d'avoir plusieurs chaînes, déjà que j'en ai d'autres. Bon, pour l'instant elles sont inactives, mais bon, ça me fait quand même énormément de chaînes, énormément de comptes, etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas catégoriser ma chaîne et du coup faire des vlogs. En fait pour moi c'est un petit peu la même chose comme si j'avais deux chaînes, parce que sur ma chaîne, tu as dû le voir, il y a des playlists et oui. Du coup, il y a des catégories. Il y a, voilà. il y a vlog, il y a des séries The Apps que j'ai démarré il n'y a pas longtemps, il y a les nouveautés 2015, les nouveautés 2016, les jailbreaks, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire au final une autre catégorie où je mettrai donc mes vlogs. Voilà, oui, on a la possibilité de sur YouTube donc de pouvoir ranger entre guillemets un peu sa chaîne. Donc, du coup, voilà, hein, pourquoi pas exploiter cette fonction, franchement. Voilà, je me suis dit si elle marche tant mieux, si elle marche pas, j'aurais essayé au moins. Voilà. Donc à partir de ta vidéo « Je dessine des youtubers », on s'aperçoit que tu veux plus t'ouvrir au monde en mettant une touche humoristique à côté de tes vidéos plus sérieuses sur la technologie. Exactement. Je me suis dit j'ai envie de faire différents trucs sur ma chaîne aussi, pas que forcément basé sur la technologie, mais du coup faire un peu varier un peu quelques sujets. Je sais que ça a fait plaisir à certains, et du coup je me suis dit pas toujours du sérieux et que de la technologie. Il y a peut-être mes abonnés à moi qui aimeraient avoir aussi des touches d'humour, etc. Enfin, même si j'en ai dans toutes mes vidéos technologiques, mais pourquoi pas avoir par exemple cette vidéo là justement. Voilà, mais dans tes vidéos, tu vois, tu es plus, c'est-à-dire, tu parles plus de ce sujet et tu es concentré sur ça, alors que tu vois, je constate que sur les autres vidéos, genre, tes vlogs, tes autres vidéos, je trouve que, t'es plus en mode, relax, etc., on est tranquille, etc., on en apprend plus en plus sur toi, tu vois. Carrément, oui, franchement, comme j'ai dit, depuis que maintenant, ça va faire bientôt un an que je gère la chaîne, elle avance tout doucement, mais comme on dit sûrement, et je suis donc de plus en plus relax, comme tu as dit, dans mes vidéos, et j'ai peut-être tendance à être plus relax, donc, sur les vlogs et tout ça, quoi, peut-être, effectivement, mais bon, comme tu as dû le voir et mes abonnés ont dû le voir, quand même, je suis généralement maintenant bien à la caméra. Ouais, tu es à l'aise et tout, et puis on comprend bien, etc.
Voilà, voilà. Plus tard, tu nous feras quelques moments prévention en vidéo, comme les arnaques des concours iPhone ou bien sûr hein, la vidéo du jailbreak. Exactement. Je me suis dit, oui, pourquoi pas faire des vidéos de prévention, parce que c'est souvent, je me suis inspiré du coup, encore une fois, de mon expérience que j'avais sur Facebook ou sur d'autres sites, concours pour gagner un iPhone 6S ou 6 à l'époque. Par exemple, il y avait une autre annonce, mon père travaille chez Orange, il a 100 iPhone, je sais pas quoi, là, qu'il en a en trop, enfin, des conneries quoi. J'y crois pas, hein. Orange, même s'ils ont 100 iPhone, ils vont pas les donner comme ça, enfin bref. Ils vont les vendre. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ça et prévenir les gens, quoi, parce qu'il y a peut-être des risques, parce que les gens, celui qui a mis cette arnaque en ligne, peut-être qu'il va essayer de soutirer des informations ou tout autre. Et voilà, quoi, ça peut aussi en décevoir certains, ça peut... Enfin, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour parler des arnaques sur l'iPhone du coup. Même si malgré certains gens qui ont vu ma vidéo ont précisé le titre putaclic. Enfin bon, perso ça m'a bien fait rire parce que du coup c'est pas du tout ça. Le titre, comme un abonné a dit en public, c'est un titre qui parle justement de la vidéo, donc forcément voilà. Du coup, oui, j'ai voulu faire des vidéos aussi sur la prévention, comme le jailbreak sur l'iPhone ou les arnaques. Ouais. Franchement, je trouve que c'est bien parce que, par exemple, il y a des personnes... Bon, moi, franchement, je vois régulièrement des annonces comme ça. Ouais, ouais, là, là, attention, des téléphones gratuits, waouh. Voilà. Je me dis, bon, ok, un mec, téléphone gratuit, quand tu vois le prix du téléphone, il y a un problème. Voilà, c'est ça. Mais certaines personnes peuvent se faire des fois arnaquer. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, mais ça arrive. Donc du coup, voilà, ta vidéo est là. Au moins, on sait, voilà, tu mets les choses au clair. Et du coup, voilà, hein, on peut... Là, on se dit, ok. Bon, on va arrêter de décoller, hein. Les arnaques, c'est bon. c'est carrément ça, voilà. Comme j'ai dit, voilà, c'est pour prévenir parce que, voilà, quoi. Faut stopper un peu, là, stop. Faire une pause. Et puis concernant la vidéo du jailbreak, c'est bien parce que beaucoup de personnes hésitent donc à jailbreaker leur iPhone. Après, tu ne dis pas, voilà, il ne faut pas le faire et ou alors il faut faire. Tu donnes juste ton avis, mais déjà rien que donner ton avis, ça peut créer une piste pour les gens en disant, attends, une piste de réflexion en se disant, attends, je le fais, je le fais pas, etc. Mais après, je me suis dit, je vais pas donner, je vais pas leur dire, vous pouvez le jailbreaker librement comme ça, il ne faut pas le jailbreaker, parce que comme j'ai dit aussi, et comme je le pense, c'est chacun fait ce qu'il veut, du coup, s'il a vraiment envie de le jailbreaker, il jailbreak, mais c'est en gros, c'est au risque et péril, quoi, parce que comme j'ai donc dit sur ma vidéo d'après mon expérience, moi j'ai eu des petits soucis, quoi. Donc après, j'incite personne à jailbreaker ou ne pas jailbreaker. Ils font comme ils veulent, mais j'ai donné mon avis, ils en font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais de toute façon, que tu le dises de le jailbreaker ou pas, les gens le feront quand même. Donc. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Écoute, moi, ma première fois où j'ai jailbreaké, ça s'est super bien passé. Je l'ai raconté donc dans la vidéo. Ouais. Et la deuxième fois sur mon iPhone 6, mais alors là, catastrophique, quoi. Hein. Du coup, je me suis dit, est-ce que je le re-jailbreak parce que je l'avais enlevé, du coup. Est-ce que je le re-jailbreak pour peut-être, on sait jamais, hein, parce que la technologie, c'est tellement compliqué, pour peut-être éventuellement enlever ce petit bug, entre guillemets. Disons que ça a pas vraiment marché, mais ça, on va dire que ça a amélioré. Donc la batterie tient un peu plus, mais elle a quand même des problèmes. Ah, ça c'est bien dommage, mais... C'est bien dommage, effectivement. Surtout quand je suis en déplacement, je suis obligé de mettre un balai avec une énorme batterie externe et mon chargeur. Ouais, on adore. Donc bref, si vous voulez combiner la technologie et l'humour et que vous adorez ça, alors rendez-vous sans hésiter sur la chaîne Dylan Technologies. C'est moi. Ok, ouais, venez. Venez, allez, venez nombreux, venez. Donc on va passer à présent à la partie question, si tu le veux bien. Allez, c'est parti. Donc alors, pour ma première question, est-ce que dans ce que je n'ai pas dit, tu pourrais nous parler de ta chaîne YouTube? Bah écoutez, on va parler de la chaîne YouTube, c'est parti. On est là pour ça. Que dire sur ma chaîne YouTube? En fait, comme j'ai dit hein, au début, j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que je me suis inspiré un peu comme tout le monde, on va dire, des autres YouTubeurs qui présentaient du contenu qu'ils aimaient, etc., ou c'est leur passion. Et moi, en fait, je vais pas le cacher, je reste honnête, c'est que, en fait, en gros, presque tous les métiers artistiques, parce que c'est un peu, entre guillemets, un métier artistique, YouTubeur,
J'adore. Je suis passionné, que ce soit chanteur, acteur, compositeur, n'importe quoi, enfin un petit peu tout ça, j'adore. Et YouTubeur, ça en faisait partie. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais vraiment parler à un public et leur conseiller des trucs, faire des astuces, etc. Ben, essayer, entre guillemets, de leur faciliter la vie si ça marche. Du coup, je me suis dit, bon, ben Dylan, allez, c'est parti, lance-toi sur YouTube. Donc, en juillet 2015, et du coup, j'ai voulu commencer à faire des tutos, des astuces pour aider les gens. Après, je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu, par exemple, d'iPhone. Du coup, ça va être compliqué pour eux. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais démarré ma chaîne avec une vidéo, les notifications sur l'iPhone. Et voilà, et franchement, aujourd'hui, j'en suis super content. Ça a super bien avancé. Et du coup, c'est génial, quoi. Et je continue. C'est toujours ma plus grande passion. Je remercie vraiment mes abonnés. Je remercie d'un côté William. Et voilà. C'est génial. Je sais pas si j'ai tout dit. Tu peux me dire si j'ai oublié des trucs. Et alors, voilà. Franchement, je trouve que c'est bien parce que ton résumé est bien. Mais au niveau donc ce que tu disais tout à l'heure, tu disais voilà l'artistique, etc. sur YouTube. Ce que je pense aussi, c'est que du coup ta chaîne c'est bien parce que par exemple donc vu que ta chaîne elle s'appelle D-Link Technology, j'en insinue. Wow, que t'aimes bien la technologie. Et du coup ce qui est bien c'est que à travers tes vidéos tu peux échanger avec ton public et avec d'autres personnes qui ont de l'expérience aussi et dire ah oui ça c'est bien, ça c'est bien, etc. tu vois. Exactement. Mais déjà je vais aussi dire que au départ ma chaîne elle s'appelait Infotechno. Ouais, je me rappelle, tu m'avais envoyé ta candidature sous ce nom. Voilà. Et du coup je me suis dit, ouais, mais si mon public a envie de, entre guillemets, mon public, je suis pas une star non plus. Enfin, je prends pas la grosse tête. Franchement, même si j'aurais peut-être 100 000 abonnés, je resterai toujours le même, ça c'est sûr. Bref, et du coup, ouais, j'avais commencé ma chaîne avec le nom Infotechno, mais j'ai vu sur Internet qu'il était pas mal pris, ce nom-là. Donc j'avais peur qu'il y ait un petit souci ou autre. Et puis après, par la suite, je me suis mis en Dylan Infotechno cette fois-ci et parce que je me suis donc j'ai eu peur pour un peu tout ça voir s'il y aurait pas eu des problèmes, je vais y arriver. Et du coup et aussi je me suis dit le public a peut-être envie d'en savoir plus sur le youtubeur forcément et du coup je me suis dit bon bah allez Dylan Infotechno et j'ai encore changé du coup jusqu'à maintenant en Dylan Technology où je trouvais ça un peu plus fun, mieux quoi. Dylan, bon, donc le youtubeur et la technologie, le thème de la chaîne. Ouais, ça c'est bien parce que comme ça c'est rapide, on se dit voilà, ok, Dylan, voilà, on va c'est pas lui, marquer technologie, okay. machin sur YouTube, là ça c'est un peu long quoi. Ce qui est bien déjà avec le nom de ta chaîne, c'est qu'on sait directement ce que tu vas faire. Voilà, on dit ok, ça c'est Dylan, ok, je vois la personne, ça t'est ok, technologie, ok, c'est parfait. Voilà, c'est ça le. Voilà, ça va vite. Donc on va passer à la deuxième question. En dehors de YouTube, quels sont tes futurs projets? Donc est-ce que tu es encore dans le cursus scolaire? Si oui, en quelle classe? Et sinon, est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Alors déjà non, j'ai fini les études. Je ne suis plus dans le cursus scolaire du coup. Et actuellement, il n'y a pas si longtemps comme ça, il y a un mois de ça, je me suis lancé entièrement sur ma chaîne. Je me suis dit, Dylan, c'est vraiment ta passion, tu kiffes plus que tout. Je me lance à fond, donc 100% sur YouTube, au risque et péril. Et si ça marche vraiment bien, j'y reste. Et si vraiment c'est trop long ou ça marche pas bien, ben, je reprends un travail à côté. Du coup, là, actuellement, je suis... à fond sur YouTube et j'ai plein de projets, j'aimerais rencontrer des youtubeurs etc, travailler avec eux et j'ai des projets comme l'autre jour il y a trois semaines de ça j'avais un projet donc de créer une série sur ma chaîne donc The Apps ça s'appelle où je présente trois applications tous les vendredis à 15h et du coup il y a plein d'autres projets mais je peux pas en parler pour l'instant. Oh non. Désolé, hein, je peux pas. Mais Dylan, oh. Oh, c'est pas bien grave, ça va arriver, t'inquiète pas. Donc du coup, on attend bientôt alors la monétisation de tes vidéos. La monétisation de mes vidéos. Ouais, vu que tu m'as dit que tu voulais te lancer sur YouTube, bientôt tu... C'est déjà monétisé mes vidéos. Ah merde. Bon, je retire. Allez, au revoir.
Donc alors maintenant, bah du coup je te pose pas de la question, donc quels sont tes futurs projets sur YouTube, parce que tu m'as déjà en partie répondu. Donc on passe directement à l'autre question, est-ce que tu es l'auteur de d'autres chaînes YouTube? Pour l'instant aucune. Donc, j'ai d'autres chaînes, mais je les ai supprimées pour l'instant, je peux pas tout gérer en même temps et peut-être par la suite je me lancerai sur une autre chaîne avec un autre thème, mais pour l'instant ce n'est qu'une idée, c'est même pas un projet. Donc voilà, tu veux te concentrer plus sur ta chaîne Dylan Technologies, sur ta chaîne principale. C'est ça. Me concentre à fond dessus. Alors est-ce que tu participes à d'autres événements sur internet? Non, aucun. Je reste donc actif sur ma chaîne principale et après sur les réseaux sociaux pour joindre mes abonnés. Et non, c'est tout. Alors comme ça, c'est bien parce que comme ça, on n'est pas éparpillé. On se dit, attends, on veut trouver Dylan, on va directement sur Dylan Technologies. Voilà, exactement. Est-ce que tu as prévu prochainement des collaborations sur ta chaîne? Avec d'autres youtubeurs. Oui, effectivement, je suis en contact avec un youtubeur dont je peux pas citer le nom pour l'instant. On est en train de se mettre d'accord. Pour l'instant, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des projets pour travailler avec d'autres youtubeurs. Et actuellement, je suis en contact avec un youtubeur justement. Ah, ça va être bien, là. On va avoir des vidéos à deux. Voilà. Bientôt. Alors, j'ai une question plus personnelle cette fois-ci. Donc avec quel youtubeur voudrais-tu faire des vidéos? Alors limite d'abonnés, il y en a pas. Hein. Alors le youtubeur, j'ai envie de dire une youtubeuse en fait. Ouais. J'en suis super fan, j'adore son humour, etc. Elle est vraiment chouette. Donc voilà. Et je vais vous dire le nom, hein, ça sert à rien de patienter. Elle s'appelle donc Emma Cake. Ah, elle fait un peu tout et n'importe quoi au final sur la chaîne. Pas mal, ouais, c'est vrai. Et j'adore son humour, j'adore sa personnalité, et j'adore les contenus qu'elle fait, donc bon. À part quand elle présente des habits pour femmes, là je vais pas les voir, hein, ça m'intéresse pas. Alors Dylan, c'est parti, on va mettre une petite robe. Allez, avec plaisir. Ouais. Non mais j'adore cette youtubeuse et si je pourrais la rencontrer un jour et peut-être pourquoi pas travailler avec elle, ce serait chouette quoi. Franchement je pense que vous deux dans une vidéo vous formerez un bon duo. Je pense aussi parce que vu sa personnalité qui se rapproche un peu de la mienne, je me dis ouais, il y aurait matière à faire une bonne vidéo dessus. Exactement. Alors, avant de terminer cette interview, malheureusement, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Mon mot de la fin, ce serait merci à tous d'avoir vu cette vidéo, écouté cette vidéo. Et j'aime plus que tous mes abonnés, je les adore et que ça continue à augmenter. Et surtout, un énorme merci à tout le monde. Merci à toi aussi, du coup. Et abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à la chaîne The JNS. Oh merci, oh là là, attention. Mais de rien. En tout cas merci Dylan d'être passé dans Rencontre entre youtubeurs. Donc les liens de ta chaîne, j'allais dire, d'accord. Moi par là. Ok, j'ai 10 000 chaînes. Donc le lien de ta chaîne sera dans la description. Alors j'ai une dernière question à te poser. Je t'écoute. Vas-y, c'est parti. Accroche-toi. Est-ce que tu as une barre à côté de toi pour t'accrocher? Parce que là, attention, ça va être mouvementé. Je suis assis sur une chaise, ça passe ou pas? Ah, c'est bon. Est-ce qu'elle a des accoudoirs? Non, mais je me tiens dessus. fais gaffe, mets ta ceinture de sécurité. Attention. 3, 2, 1. Est-ce que du pourquoi, du comment, du pourquoi, du pourquoi, du comment? Parce qu'en fait, c'est le pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment, quoi. Ha 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 ha.